Mon propos se concentrera sur la connaissance et les usages des outils de la réparation du dommage corporel par les acteurs judiciaires. Je vais partager mon écran à présent. Ici, il s'agira de déterminer comment les utilisateurs de ces outils connaissent et dans quelle mesure ils ont une connaissance précise de ces outils. Savent-ils comment les outils sont construits? Suivent-ils les actualisations de ces outils? Connaissent-ils avec précision la manière dont ils ont été conçus et les limites qui en découlent? La technicisation croissante au cours des 20, 30 ou 40 dernières années du dommage corporel, de la réparation du dommage corporel, a conduit à ce que différents outils soient utilisés et le soient peut-être de plus en plus. Quatre outils principaux retiendront mon attention. Tout d'abord, la question de la nomenclature des postes de préjudice, nomenclature qui vient lister, définir, distinguer chacun des postes de préjudice réparables en cas de dommage corporel. Cet outil est aujourd'hui de facto quasiment unique en France. Il s'agit de la nomenclature d'un TIAC. Le deuxième outil que j'étudierai, sont les barèmes médicaux. Le juriste pourrait se dire que finalement, un barème médical, ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire des médecins. Pourtant, les résultats de cette expertise sont déterminants pour le processus judiciaire. Et les outils utilisés dans le cadre de l'expertise sont donc indirectement indispensables et conditionnent la réparation du dommage corporel. Ainsi, les juristes, avocats ou magistrats font un usage indirect de ces outils, qui viennent soutenir leur argumentation, motiver leur décision. Un troisième outil que j'étudierai, qui retient le plus souvent l'attention et qui crée de vifs débats, sont les référentiels d'indemnisation, qui permettent de déterminer, de proposer une indemnisation en fonction de l'atteinte qui est subie par la victime, généralement après une objectivisation par une expertise médico-légale. Ils s'expriment, ces référentiels, sous forme de barème ou sous forme de fourchette, plus ou moins contraignants. Enfin, les tables de capitalisation proposent le prix d'un euro de rente en vue d'une capitalisation. La capitalisation consiste en une opération qui détermine le montant sous forme de capital d'une indemnisation initialement formulée sous la forme d'une rente, qu'elle soit temporaire ou viagère. Ainsi, en associant un taux d'intérêt prévisible, un taux d'inflation prévisible, une durée et éventuellement l'espérance de la victime, est déterminé un prix de l'euro de rente. La dénomination, pardon, de ces outils, nomenclature, barème, référentiel, table, ou leur valeur juridique nous importe finalement assez peu. Notre propos ne sera pas non plus de louer ou de critiquer ces outils, ils existent et sont utilisés. Dans la mesure où ces outils existent, qu'ils sont largement diffusés et utilisés, leur valeur pratique est très importante. Ils permettent d'objectiver la situation des victimes, de comparer la situation d'une victime à une autre. Et notre propos sera de dresser un état des lieux de la connaissance et de l'usage de ces outils par les acteurs judiciaires. Acteurs judiciaires, principalement les magistrats et les avocats. En effet, pour que l'usage de ces outils soit le plus adapté, le plus pertinent, il apparaît nécessaire que les acteurs disposent d'une connaissance approfondie de ces outils. Savoir comment ils ont été conçus, savoir quels sont leurs objets, quelles sont leurs limites, connaître leur actualisation éventuelle. Et nous constaterons que si les outils sont largement utilisés, ils demeurent relativement méconnus dans une connaissance fine. Pour appuyer notre propos, nous nous fonderons sur deux recherches empiriques, deux projets de recherche empirique auxquels nous avons pris part d'une manière ou d'une autre.
D'abord, le projet de la responsabilité civile à la socialisation des risques qui était mené à Chambéry, dans lequel l'analyse de plus de 1000 arrêts de cours d'appel et de cours administratifs d'appel rendus en 2016 ont été analysés, à chaque fois s'agissant de la réparation d'un dommage corporel. Ainsi que dans le cadre d'un même projet, un questionnaire qui a été effectué auprès des praticiens, qu'ils soient avocats, magistrats, salariés des compagnies d'assurance ou mutuelles, sur leur pratique de la réparation du dommage corporel. Au total, il y avait eu 379 réponses qui avaient été prises en compte. Notre propos s'appuiera également sur le projet, les barèmes et les autres outils techniques d'aide à la décision dans le fonctionnement de la justice, qui était un projet mené par le GIP Droit et Justice, qui a mené des entretiens auprès des magistrats en 2017 et 2018. Et ce projet était très large, ne concernait pas uniquement la réparation du dommage corporel, mais plusieurs présidents de civis ou d'autres magistrats réparant des dommages corporels ont été interviewés dans ce cadre. Nous disposerons donc à la fois du témoignage des intéressés à travers un questionnaire et des entretiens, et d'un corpus significatif de décisions de justice qui ont été analysées et qui retracent un processus d'indemnisation et éventuellement font part des outils qui ont pu être utilisés. Ainsi, notre propos s'articulera en trois parties. D'abord, nous constaterons que l'usage de ces outils est absolument généralisé, mais que leur connaissance est hétérogène. Tous les acteurs ne connaissent pas de la même façon et dans le même détail ces outils. Et enfin, nous nous questionnerons sur la confiance que l'on peut avoir, ou plutôt la confiance que les acteurs accordent à ces outils, et se demander si quelquefois cette confiance n'est pas trop mécanique. Tout d'abord, un usage généralisé des outils. Premier exemple, c'est celui de la nomenclature d'un TIAC. C'est probablement le plus frappant. Certes, les juridictions administratives ont pu utiliser d'autres nomenclatures, celle de la villagie notamment, mais désormais, la nomenclature d'un TIAC fait figure de monopole en la matière, y compris dans les juridictions administratives. Lorsque nous avons interrogé via le questionnaire les magistrats, la réponse est assez forte. Sur l'ensemble des professionnels que vous avez enregistrés, la nomenclature est utilisée de manière systématique par plus de 85% des professionnels. Et pour ce qui est des magistrats judiciaires, nous sommes à au-delà de 95% qui l'utilisent de manière systématique ou fréquente, cette nomenclature. Les magistrats administratifs sont un peu plus réservés, mais tout de même, si l'on cumule l'utilisation systématique et l'utilisation fréquente, l'on atteint les 80%. On dépasse largement même les 80%. L'usage de la nomenclature d'un TIAC ne fait pas de doute. On peut cependant se poser la question, cela est confirmé par le témoignage des magistrats lors des entretiens. Certains, alors les noms des villes ont été anonymisés également, puisque c'est des entretiens anonymes, mais un magistrat judiciaire nous dit que l'on n'a jamais vu quelqu'un liquider un préjudice corporel sans faire référence à la nomenclature d'un TIAC, ou au moins à l'ancienne nomenclature, ou bien un président de civis qui nous montre que la nomenclature d'un TIAC permet de poser un raisonnement et s'impose aux parties. Les parties doivent lister et faire l'arborescence de leurs préjudices dans l'arborescence d'un TIAC. Et de fait, quand l'on lit les décisions qui indemnisent un dommage corporel, elles adoptent, au stade de la liquidation des préjudices, le plan de la nomenclature d'un TIAC. Ose-t-on dépasser la nomenclature d'un TIAC? Les acteurs acceptent-ils d'aller au-delà? La nomenclature est une nomenclature ouverte. Dans le questionnaire, on interrogeait les magistrats sur la nécessité d'inclure de nouveaux postes de préjudice. Les principaux postes de préjudice cités dans les réponses au questionnaire étaient les souffrances endurées post-consolidation, les différenciant du DFP, mais également les honoraires d'avocat, des préjudices d'angoisse ou d'anxiété, des préjudices d'agrément temporaire, des préjudices d'impréparation.
On trouve également dans les décisions de justice que nous avons analysées des postes constatés, où l'on constate que le magistrat, sur invitation probablement des avocats, s'est départi de la nomenclature, a créé de nouveaux postes de préjudice. Alors, très souvent, l'assistance tierce personne temporaire est distinguée des frais divers, ce qui n'est pas une grande entorse à la nomenclature, mais on constate également des distinctions entre les souffrances morales et les souffrances physiques, des frais divers à titre permanent, des préjudices sexuels temporaires. Ou bien pour des victimes indirectes, la reconnaissance d'un préjudice sexuel pour le conjoint ou pour l'épouse, ou une incidence professionnelle en plus de la perte de gains professionnels. On constate également, je ne l'ai pas mis dans mon diaporama, mais quelquefois des regroupements de postes de préjudice, des regroupements de postes de préjudice, qu'il s'agisse quelquefois de postes temporaires et permanents, où l'on recoupe assistance tierce personne temporaire et permanente, un préjudice esthétique temporaire et permanent, etc. Voilà pour ce qui est de la nomenclature. La nomenclature est donc largement acceptée. Les référentiels d'indemnisation suscitent un questionnement quant à leur acceptabilité en eux-mêmes et lorsque l'on interroge les professionnels du dommage corporel sur leur acceptabilité, on constate plutôt une grande acceptabilité, même si c'est assez variable. D'un côté, les magistrats sont très favorables au référentiel d'indemnisation, même si ce n'est pas unanime, hein, les magistrats judiciaires, nous avions quelques personnes qui étaient fortement opposées et qui justifiaient fortement leur réponse négative. Chez les avocats, c'est beaucoup plus partagé, et il y a une sorte de dichotomie entre les avocats spécialistes du dommage corporel et les avocats non spécialistes du dommage corporel, les premiers étant plus réticents, bien que ce ne soit pas unanime, à l'usage d'un référentiel d'indemnisation. Lorsque l'on passe à l'usage de ces référentiels, en réalité, on constate que quasiment tout le monde utilise les référentiels. Lorsque l'on a demandé aux professionnels s'ils utilisaient des barèmes, les avocats nous répondent à 70% qu'ils les utilisent, y compris ceux qui sont spécialistes, qui les utilisent à 63%, quand bien même ils y sont opposés par principe. Et chez les magistrats, la proportion est également très grande de magistrats les utilisant, qu'il s'agisse des magistrats de l'ordre administratif ou des magistrats de l'ordre judiciaire, qui les utilisent plus encore s'ils sont spécialistes du dommage corporel. Les magistrats témoignent, lorsqu'on les interroge, du fait que c'est un usage ancien. Un magistrat judiciaire nous disait que ce type de barème existe depuis la nuit des temps. Un autre indiquait que même sans en avoir fait, on sait qu'il existe un barème pour la réparation des dommages corporels. Et un magistrat qui avait 30 ans de carrière nous disait que même quand il était jeune magistrat, il appliquait un barème qui n'était certes pas encore celui-ci. Il parlait du référentiel intercours. La question des tables de capitalisation reçoit une réponse à peu près similaire. Elles sont largement, très largement utilisées. Seules 13 des personnes qui ont répondu à notre questionnaire, sur plus de 300 personnes, nous ont affirmé opérer un calcul personnel. Et c'était généralement une réponse qui était cumulée à d'autres, puisque chaque répondant pouvait choisir plusieurs réponses. Et de manière peu surprenante, le questionnaire ayant été réalisé en juin 2017, c'est le barème de la Gazette du Palais qui est le plus utilisé. La seule catégorie de répondants qui avait une réponse légèrement différente était les salariés des sociétés d'assurance et mutuelles qui utilisaient principalement le barème de la Rédoc. Cependant, cet usage généralisé ne doit pas cacher une connaissance assez hétérogène des outils. Hétérogénéité entre les outils, certains sont plus ou moins connus, le barème médical est souvent considéré finalement comme l'affaire des experts et non des juristes. Une connaissance également hétérogène entre les professionnels. Tous n'ont pas la même connaissance des outils, le contentieux est assez technique, assez spécialisé.
les études de droit généraliste y préparent assez peu. Et on constate entre l'avocat spécialisé et l'avocat non spécialiste, entre le magistrat qui préside une CIVI à 80% de son temps de travail et celui qui n'y consacre que 10% de son temps de travail, une connaissance variable des outils. Le caractère technique des outils effraie quelquefois l'avocat ou le magistrat. On utilise les outils sans vraiment les comprendre. Alors, ce n'est pas tellement la nomenclature d'un TIAC sur laquelle je vais revenir, car elle est largement assimilée par les magistrats. C'est peut-être l'outil le plus juridique, entre guillemets, puisque l'on a des belles définitions fondées généralement sur la jurisprudence de chacun des postes de préjudice. Ce sont les autres outils qui interrogent. Tout d'abord, la question des référentiels d'indemnisation. On a constaté, lorsque nous avons interrogé les magistrats, que ces référentiels se diffusent avant tout par voie officieuse. Aucun des référentiels n'a de valeur officielle. Alors, cela, ils ont accès à ces référentiels lors des formations sur les outils de l'intranet de justice, mais quelquefois de manière plus informelle, lors d'un déjeuner ou d'une discussion avec des collègues. Et les magistrats des petites juridictions nous regrettaient finalement être un peu seuls dans leur pratique et ne pas avoir beaucoup de collègues à interroger sur les pratiques. Il en résulte des difficultés de mise à jour. Il en résulte des difficultés de mise à jour et lors des entretiens, nous avons constaté que deux des magistrats à qui l'on demandait leurs outils de nous fournir en version informatique ou papier, l'outil généralement c'était le référentiel intercours qu'ils utilisaient, à chaque fois il s'agissait de la version antérieure et non pas de la dernière version. Et puis les magistrats soulignent également quelquefois les difficultés qui sont liées à la connaissance par les autres acteurs de l'indemnisation. Certains présidents de CIVI regrettaient l'absence d'avocats spécialisés. D'autres regrettaient des demandes fréquemment sous-évaluées car fondées elles-mêmes sur des outils obsolètes. On constate également que les barèmes médicaux sont assez peu connus par les magistrats. Lorsque on leur demande s'ils ont connaissance du barème médical qui était utilisé par l'expert pour calculer le taux d'AIPP, la réponse est assez largement, occasionnellement ou jamais. Les magistrats connaissent peu la manière dont l'expert a travaillé, l'outil que l'expert a travaillé. Pourtant, leur propre travail dépend de ce travail initial. Près de 80% et plus de 80% des magistrats administratifs, même si les cohortes ne sont pas très importantes, déclarent ignorer ou ne connaître qu'exceptionnellement le barème utilisé. Et il en va de même chez les avocats, même si fort heureusement les avocats spécialistes connaissent davantage le barème qui est utilisé que les avocats non spécialistes. Et lorsque l'on leur pose la question de la discussion éventuelle de l'expertise, est-ce qu'on remet en cause une expertise, un taux d'AIPP? Les magistrats judiciaires répondent que cela n'intervient de manière que de manière occasionnelle, voire jamais de leur part. Les magistrats administratifs ayant peut-être un peu plus de recul, mais la cohorte était beaucoup moins importante. Et les avocats sont un peu moins unanimes, mais tout de même discutent assez peu des taux d'AIPP proposés par les experts à nouveau. Sous réserve de la spécialisation des avocats. Lorsqu'on interroge les magistrats, ils nous répondent finalement que les barèmes sont la chose des médecins experts. Je ne pourrais pas vous dire sur quoi ils s'appuient. C'est leur travail finalement. Je délègue cette partie du travail. Cela ne me concerne finalement assez peu. D'autres fois, ils renvoient aux parties et finalement constatent que ce sont les parties qui remettent assez peu en cause l'appréciation des experts. Et on débat davantage du quantum de l'indemnisation que du taux effectif retenu. S'agissant de l'analyse des décisions de justice, on a tout de même constaté, fort heureusement, dans quelques décisions d'appel, que
magistrats, les cours d'appel prenaient quelques libertés avec les positions des experts, retenaient par exemple une assistance tierce personne alors que l'expert ne la proposait pas, augmentaient un point de DFP par rapport à l'expertise, ou retenaient l'existence d'un préjudice esthétique permanent sur la base de photographies que n'avait pas retenu l'expert. L'étape de capitalisation pose des problèmes assez similaires et la question de leur actualisation fait vraiment débat. Une présidente de CIVI nous a avoué finalement se servir des photocopies tirées des conclusions des avocats spécialisés pour mettre à jour ces tables de capitalisation plutôt que d'aller lire la Gazette du Palais. Et lorsque, dans l'analyse des décisions de justice, on a constaté que la plupart utilisaient le barème de 2013. Alors, le problème, c'est que notre analyse porte sur des décisions de 2016, donc à un moment où il y a eu la réforme. Donc, mais l'usage du barème de 2016 est assez faible. Et puis, on constate tout de même des usages du barème de la Gazette du Palais de 2004, de 2011, alors qu'ils étaient largement obsolètes. Dans le questionnaire que nous avons posé, également, on constate des incertitudes sur la table utilisée. J'utilise celui de le barème de la Gazette du Palais, mais je ne sais pas celui de quelle année, ou bien je ne sais pas la table que j'utilise, tout simplement. Et les magistrats renvoyant à nouveau aux demandes et aux prétentions des parties. Enfin, on va pouvoir se poser la question de la confiance que les acteurs apportent à ces outils et finalement n'ont-ils pas une trop grande confiance, une confiance un peu mécanique. Certes, il s'agit d'outils absolument indispensables. Ils permettent d'harmoniser les pratiques entre les juridictions au sein d'une juridiction, d'une affaire à une autre, d'une victime à une autre. Ils permettent un dialogue entre des champs de compétences divers, notamment pour ce qui est de l'expertise médicale. Ils reçoivent également une justification technique. Lorsqu'on interroge les praticiens, le caractère très technique, très spécialisé de la matière fait que l'on utilise ces outils. Il est plus simple d'utiliser une table de capitalisation plutôt que d'opérer soi-même son calcul à l'aide d'un taux d'intérêt d'un taux d'inflation imaginé. Bref, ils permettent d'objectiver des situations individuelles, de fournir des points de comparaison. Des difficultés naissent, notamment de la mise à jour des outils. Mise à jour qui est rendue encore plus difficile par le fait qu'il s'agit d'outils officieux. Il n'y a pas de journal officiel à consulter pour savoir si une nouvelle table de capitalisation est parue à la Gazette, pour savoir si une revalorisation des fourchettes a été prévue par le référentiel intercours. L'hypothèse de leur affirmation par voie réglementaire dans le cadre des projets serait certainement l'une des réponses à cette difficulté de mise à jour. Mais on constate également qu'il n'y a pas de connaissance fine des différents outils. Or, tous ces outils présentent des limites. Ils sont valables dans 80, 90, 95% des cas. Mais soumettre les 20, les 10 ou les 5% des cas restants à ces outils est absurde. Et pour que le juriste exerce son plein office, il doit connaître précisément ces outils pour se permettre une critique et connaître la limite de ces outils. Il y a une difficulté qui tient aussi à l'absence de ces outils dans les décisions de justice. La jurisprudence des juridictions supérieures n'incite vraiment pas à les citer, à les mettre officiellement dans le débat. Et pour l'étape de capitulation, de toute façon, la Cour de cassation laisse entièrement libre les juges du fond. On est au-delà du pouvoir souverain, on est dans un pouvoir quasiment discrétionnaire. Finalement, la question est, pour les praticiens, doit-on être acteur de la réparation ou bien serviteur des outils? Et une connaissance qui n'est que superficielle conduit à un usage finalement servile des outils. On les applique sans véritablement les comprendre. Et lorsque l'on devrait s'en départir, on ne le fait pas. En revanche, une connaissance approfondie des outils peut permettre un usage éclairé et permettre de tirer tous les bienfaits de ces différents outils. Voilà. Je vous remercie.